Dans le cadre de l'apprentissage systématique de la lecture à SL pour améliorer les performances des élèves en lecture. Il s'agit principalement de la chanson des lettres qui vise à mémoriser, à donner la mémoire chez les enfants sur l'ensemble des lettres de l'alphabet de la langue et aussi à acquérir facilement le principe alphabétique et la conscience phonémique. Ensuite, nous avons la technique du bec de canard et de l'estampillage, le bec de canard et l'estampillage qui concourt à donner la capacité de la conscience syllabique chez les enfants. Ensuite, nous avons la lecture des mots familiers et des mots inventés qui installe un mécanisme d'automatisme chez les enfants à être en mesure d'aller sur les deux stratégies de lecture, à savoir la voix directe ou la voix lexicale et la voix indirecte ou voix phonologique. Puis, après tout cela, l'enfant va acquérir la capacité du décodage pour facilement apprendre la lecture des textes, des phrases et pouvoir en saisir leur sens. Et évidemment, on verra que durant tout cet apprentissage, comme si ça paraît facile, mais je rappelle que cela est le produit de processus de tout un processus d'apprentissage. L'ASL permet d'installer chez les élèves du CI des compétences. Par exemple, quand on prend un élève à partir du premier mois déjà, l'enfant est capable de connaître le son et le nom des lettres de l'alphabet. À 3 mois, l'enfant est capable de lire des mots usuels et familiers d'une syllabe. Avant la fin de l'année, l'enfant est capable de lire une phrase entière. Et nous pensons que c'est vraiment une méthodologie de lecture sur laquelle l'État lui-même doit mettre l'accent. Parce que, au vu des résultats auxquels nous sommes en train d'arriver, vraiment nous demandons à ce que cette méthode de lecture puisse être généralisée
sur la Zambla et des écoles du pays. L'ASL va dans la droite ligne de la réforme qui est en cours, parce qu'il s'agit de l'utilisation de la langue maternelle dans le cadre des enseignements. Voilà vraiment ce que j'ai à dire. Avec cette innovation, nous avons constaté que le niveau des élèves en lecture s'est beaucoup amélioré. Ce qui nous a beaucoup frappé, on peut constater des élèves du CI aujourd'hui et des élèves du CP qui sont capables de battre des élèves du CM2 qui n'ont pas bénéficié de cette approche, qui peut les battre en lecture et en écriture aussi. Cette approche, depuis son avènement, les élèves ont appris le goût de la lecture. Ils ont le goût. Ils ont tellement eu le goût que, à tout bout de chemin, dans la rue, au village, un peu partout, on entend les échos. Et la communauté même, en tout cas, a témoigné effectivement du changement positif que cette approche a apporté. Monsieur Karanjama, inspecteur, ton conseiller de droit, son zo hadna wag kalas de gendi. Son kanka tire yaro buma. Ko wani ya karanta. Son ka ji dadi abin. Kuma son ka karanta abin ya musu dadi. Mu ma da an ma yin ne. Wallahi mun ka gamsu da abin. Mun ji dadi abin na haka nan. C'est une bonne méthode. Parce que avec la SL, les élèves arrivent à lire. Et ça motive les élèves parce qu'ils vont apprendre de leur langue. Dès qu'on commence la SL, on remarque chez les enfants qu'ils sont motivés. Quand même, nous avons constaté sur le terrain que la SL favorise réellement l'apprentissage de la lecture. La méthodologie appliquée elle est pratique et active. Les élèves sont participatifs dans tout le processus. Cette approche-là, ça les incite aussi à venir chaque jour pour mieux chanter la chanson. Surtout la chanson-là, c'est ça qui les incite. Donc pour moi, cette approche-là, c'est une bonne initiative et donc on devrait continuer dans cette direction. Allah ça a wannan abin ci gaba domin iyan mu su samu ci gaba bisa ga wannan abin. Dan mun ga manufa alheri cikin shi. A taimaka ma yara su je karatu. A ci da sama.